Alors, allons voir les autres situations en rouge. Donc ça, La c'est la pollution. pollution. Il va falloir faire des choses quand même pour la diminuer, Oui, pour il me semble l'instant. que c'est... Il faut améliorer l'environnement. L'environnement diminue à cause du PIB, je crois. Parce que notre PIB, on l'a fait monter quand même. Oui, Mais... oui. Mais on peut prendre des mesures pour protéger l'environnement. Est-ce qu'on a taxé les entreprises polluantes déjà? Ou contrôler, on peut contrôler les entreprises polluantes. Bon, déjà. Voilà, ça pourra peut-être. Voilà, ça fait baisser en plus les émissions de CO2, donc ça respecte C'est ce qu'il l'accord de propose la COP21. qu'on Alors, devait faire allons quand même parce regarder, que... oui, sur. Bah, il parlait des pollutions agricoles. Il parle de l'eau, donc lutter contre la pollution de l'eau, interdire les rejets d'eau polluée dans les fleuves et les mers, assurer une prise en charge publique de l'assainissement particulier. Donc il est pour la gestion publique de l'eau, hein. Donc lutter contre la pollution à ce niveau-là. Donc Attends, en je vais... agriculture, dans la flotte, dans l'énergie, dit quoi? Arrêter les subventions aux énergies fossiles, sortir du nucléaire, abandon des projets de réacteurs nucléaires, plan de transition énergétique vers les énergies renouvelables, etc. Donc tout ça, ça lutte contre la pollution. Ouais, Bon, donc en plus, pour... on pourra aller mettre des subventions sur les énergies renouvelables, je ne sais pas si on l'a déjà fait. Non, je crois pas, mais je vais le faire si j'ai assez de points. Subvention à l'énergie propre. Voilà, je pense que là on peut y aller à fond, c'est dans son programme. Voilà, il me reste 8 points, on va pouvoir faire peut-être des choses. Qu'est-ce que tu as dit qu'il... Alors, le logement, on a fait un peu de choses. Donc, il disait objectif zéro sans-abri, interdire les expulsions, construction d'un million de logements publics. Donc, ça, on l'a mis à fond. Ouais. Plan de rénovation écologique pour isoler 3 millions et demi de logements. Alors, ça, je crois qu'il y a une Oui, politique là-dessus. il me semble. Il y a la garantie universelle des loyers aussi, hein. Qui avait été mise d'ailleurs par Cécile Duflot dans la loi sous Hollande et qui avait été défaite quelques mois plus tard par Manuel Valls. Donc on peut évidemment garantir les loyers. Et par Sylvia Pinel aussi, n'oublions pas, hein, rendons au salaud ce qui est au salaud. Je ne le trouve pas. Alors, dans. C'est pas dans l'économie, c'est dans l'aide sociale, je pense. Non plus. Bon, si tu en fais le contrôle des loyers, c'est pas ce qu'il a. Hein. Alors oui, contrôle des loyers, ben, allons-y. C'est pas très cher hein, comme politique, 33 millions, on le pousse à 40. Non, c'est surtout que ça fait bien chier en fait, c'est surtout Ça ça. fait Enfin, bien ça. chier du monde, mais voilà, ça améliore le revenu des classes pauvres, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. On va avoir une société très égalitaire. Hein. Ben en fait, on a déjà le bonus, une société égalitaire. Bon, alors, le PIB Ah, baisse encore, allez, à attends. exode des entreprises. Là, va falloir Bon. faire quelque chose. Ah oui, parce qu'on a tellement fait chier les... Les capitalistes qu'ils Ah commencent à se ouais, casser, les comment ça... salauds. Et on n'a pas interdit, on n'a pas fait la lutte contre l'évasion fiscale, tout ça. Hein. Va falloir qu'on s'en occupe parce que les entreprises commencent à se tirer. Ouais, c'est... Regarde, c'est notre taxe sur les super riches qui fait ça. Ah, ouais, mais ouais, on n'a pas contré cet effet-là. Faut qu'on arrive à contrer cet effet-là. On ne va pas retirer la taxe sur les super riches, rassurez-vous. Oui, c'est pas l'esprit, donc je pense que du coup, là, il Il faut... va falloir faire des choses pour attirer les entreprises, mais pas n'importe lesquelles. Ouais. Alors, on a quand même la santé qui augmente, la pauvreté qui diminue. Par contre, notre PIB diminue à cause de ça, donc il va falloir faire quelque chose. Ah oui, c'est effondré. Ah oui, là, on a un souci qu'il va falloir régler rapidement. Ouais, moins 20%, c'est quand même pas mal, hein. C'est une grosse crise, là. Grosse crise. Allons-y. Bon, on a un peu d'avance Attends. quand même, parce qu'on n'avait pas beaucoup de déficit. On va voir ce que ça donne là, avec cet effet-là. Faut Non, mais il faut commencer. rajouter des politiques qui favorisent l'attrait des entreprises, je pense. Je pense aussi. Bon, alors, attends, le scandale Bon, royal, ça, bon, c'est ça un c'est. défaut du jeu, parce qu'on n'a pas de famille royale chez nous, donc on s'en fout. On Oui. peut critiquer le monarque, d'ailleurs, on s'en branle. Oui, ça me semble plutôt dans l'esprit aussi. Je pense que. Alors, la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Winston Churchill. Alors, bon, en fait, Winston, il parlait pas de la démocratie parfaite, hein, il parlait de nos démocraties modernes qui ne sont que des oligarchies, hein, évidemment. Alors, allons voir dans les nouvelles politiques si on peut aider nos entreprises en économie. Alors, il y a des choses, tiens, le programme spatial, Jean-Luc, il le propose, Bah oui. et c'est un truc qui, à terme, alors attends, parce que ça va nous coûter Ouais, 24. ça va On coûter. regarde quand même ce qu'il dit sur le programme spatial, parce que la France a déjà un programme spatial avec l'Europe. Hein. D'ailleurs, la Guyane en ce moment est là pour nous rappeler que on lance nos fusées depuis la Guyane. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont obtenu gain de cause. Hein. C'était en prenant d'assaut le centre spatial guyanais à Kourou. Tout de suite, là, l'État a filé 1 milliard et demi, 2 milliards. Ça va vite, quoi. Alors, l'ambition de Jean-Luc pour l'espace. Approfondir les connaissances, poursuivre les découvertes scientifiques de l'univers, donner suite à la mission Rosetta.
développer les missions interplanétaires, donc vers Mars, lancer un programme de dépollution de l'orbite terrestre. Et oui, il y a énormément d'objets en orbite terrestre qui mettent en danger les futurs lancements. Lancer un programme de lutte contre la pollution lumineuse, très bien, pour qu'on puisse enfin revoir les étoiles un peu partout en France. Développer la coopération, assurer une présence humaine permanente dans l'espace, lancer le renouvellement de la Station Spatiale Internationale, proposer la création d'une base permanente sur la Lune. Donc il faut quand même un bon programme spatial. Ah bah, oui, ça... Bon, ça va nous coûter des points politiques, hein, mais ça peut relancer des entreprises. Puisqu'en technologie, ça favorise, ça fait baisser le chômage. La technologie va favoriser la productivité qui va favoriser le PIB. Exactement. Alors, mais... clique sur technologie, là, qu'on voit ce que ça fait. Attends, parce que lui, il faut que je règle. Faut que tu le règles. Ah oui, alors règle-le à fond, parce que là, c'est que les satellites, station spatiale. Voilà. Oui. Pourrait même aller plus loin. Après, il y a un programme pour aller sur Mars, mais ça va. Alors, technologie. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, en techno? Bon, elle est stable depuis le début. Financement de la recherche, ça augmente. Hein. Ouais, ça va favoriser. Ça va favoriser la productivité. Et encore là, les effets s'appliquent progressivement, hein, puisque il faut plusieurs tours avant que les choses se mettent en place. Ouais. Voilà. Alors, ça améliore l'industrialisation, l'automatisation de l'industrialisation. Alors, est-ce que nos entreprises reviennent? On n'a pas encore. Ah, le PIB remonte. Le PIB remonte. Le chômage augmente, mais il va rebaisser plus tard. Au niveau de la popularité, on s'en sort pas mal, parce que 92%... C'est un peu exagéré, là, on est pire qu'un dictateur, mais bon. Ouais. Ça, c'est la simulation des votants dans le jeu est pas extraordinaire. Hein, mais... Alors, le PIB est en augmentation, le chômage aussi, malheureusement. Ouais. Message du ministre, il y a un ministre qui est pas content. Johan Jolie. Va peut-être falloir le virer. Mais... On va voir ça tout de suite. Alors... C'est lui, ministre des Affaires étrangères. Alors pourquoi? Mais oui, parce que lui, il a des affinités avec les religieux et les capitalistes. Donc il est pas content. Et oui, il a... Alors le problème, c'est que quand on le vient, ça influence négativement les autres ministres. Ouais. Alors pour 10 de capital, on peut changer de ministre, mais c'est dommage parce qu'il y en a qui sont bons. Alors on peut peut-être juste le virer lui. Ouais, on va voir si on a un ministre intéressant. Des Affaires étrangères qui soit cool. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, faut que ce soit marqué politique extérieure. Alors... Mais attends, parce que d'abord, il faut qu'on voit quels sont les groupes qui nous sont loyaux et qu'on a réussi à bon. Bon, les socialistes, les libéraux, voilà. Les fonctionnaires, les fermiers, les immigrés, les retraités, on a plein de potes en fait. Hein. Ouais. Ah oui, on s'en sort plutôt pas mal en fait. Donc, ouais, on a plein de groupes qui nous sont favorables. Donc, pardon. Voilà, allons voir ce qu'ils nous proposent comme ministre potentiel. Alors, il y a plusieurs choses à regarder, c'est combien ils nous rapportent de capital politique par tour. Ouais. C'est le point serré en bas. Et est-ce qu'ils sont doués en politique extérieure? Est-ce qu'ils vont être fidèles? Alors, il y a Manon Marchand, là. Et alors, elle, son troisième choix, c'est la politique extérieure. Par contre, elle est très fidèle et elle est soutenue par les fermiers et les écologistes et elle rapporte 4,6 points par tour, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, après, elle rapporte 4,9, Jennifer André. Ouais. La politique extérieure est son premier choix, elle est très fidèle. Et les fermiers nous soutiennent et les parents nous soutiennent moins, donc peut-être que ça peut être un bon choix. Les parents sont là. Ils nous soutiennent qu'à moitié. Ouais. Donc ça peut être un bon choix, elle rapporte bien. Alors ça va nous coûter un point de capital politique pour virer le ministre. Ouais, attends, on regarde s'il n'y a pas quelqu'un. Non, eux, ça les intéresse pas. Non, mais je pense que c'était le meilleur choix. Hein. Elle était intéressée par la politique extérieure. Oui, non, mais oui, tu as raison. Libéraux, capitalistes, oula, non. Enfin, libéraux, oui, capitalistes, non. Donc effectivement, je pense que Jennifer André. Alors, faut virer d'abord l'autre ministre. Ok, tu dégages. Hop, et on recrute. Jennifer, c'est à toi. Okay. Voilà. Alors après, vous voyez, notre ministre des Affaires Sociales, hein, les aides sociales, il va nous lâcher un de ces quatre. Il n'a pas l'air hyper content. Oh, remarque. Non, c'est juste Il rapporte pas beaucoup en capital, quoi. Ouais, bah oui. Alors, si on veut le renvoyer, lui, il nous coûte 2 parce qu'on en a déjà viré un ce tour-là. Effectivement. Donc faut pas en virer trop parce qu'après, les autres, ils deviennent moins loyaux. Mais c'est vrai qu'il est pas bon du tout, lui, en fait. Mais ça, c'est son capital de base, en fait. C'est-à-dire que... Il est pas bon de base, en fait. C'était un mauvais choix, à la base. Bon. Non, mais d'accord. Bon, ben, on le verra. On le verra plus tard. Oui. On verra. Oui. Alors... On a beaucoup de points, ce tour-ci. Bah, 19, non, pour un début de tour, c'est pas énorme. Alors, on est presque à mi-mandat, hein. Vous voyez, en haut, la barre bleue. Ouais. Peut-être qu'on peut faire un bilan de là où on en est. Regarder ce qu'on a fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, les réformes qu'on a mises en place, il y a quand même pas mal de choses. Hein, déjà. Après, on a quelques réformes qui sont pas très populaires, mais de toute façon, on s'en fout, vu la popularité qu'on a. On n'a pas de problème là-dessus. Et c'était des politiques qui étaient déjà là avant l'essentiel.
Elles étaient là déjà à la base, donc non, non. Les changements qu'on a fait. Alors, voilà. Qu'est-ce qui est populaire? Qu'est-ce qui n'est pas populaire? Voilà, on a amélioré la santé, on a amélioré l'éducation. 7%, c'est beaucoup quand même. On a fait baisser le crime. Ouais. Baisser beaucoup le crime violent. La pauvreté de 25%. Par contre, le chômage a augmenté de 5%. Alors ça, c'est peut-être passager, parce que on a eu la fuite des entreprises et qu'il y a une inertie. Hein, les choses ne changent pas immédiatement. On a baissé les revenus des classes aisées, pas tant que ça en fait, hein, 2% à peine. Oui, par contre, le PIB a baissé de 5%, ça c'est encore la fuite des entreprises qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas géré. On aurait dû anticiper, ouais. On aurait pu éviter la fuite. Hein. Le tourisme, oui, est beaucoup monté puisqu'on a été, on a une politique étrangère assez, assez favorable. Donc, Et le revenu des classes pauvres a pris 24%, hein, les relations étrangères 42%. Ah, c'est quasiment la moitié. Hein, donc. Les prix alimentaires ont augmenté, alors ça c'est parce qu'on avait baissé les subventions. Hein. Quand on baisse les subventions agricoles, ça augmente les prix alimentaires. Oui, forcément. Mais il y a d'autres effets positifs. Hein. Si on clique dessus, peut-être qu'ils nous donnent les charts. Cause marché international. Qui... Ah. Oui, mais enfin, il est quand même bas hein, le prix. Il reste quand même. Là, il était déjà en rate. Et ça fait baisser l'obésité. Hein. Quand les prix augmentent, mais ouais. Parce qu'il y a moins de junk food, quoi. Mm-hmm. Et donc on s'en sort plutôt pas mal. On a un bilan qui est assez pour un bilan alors, minimum. Regardons la boussole politique aussi. Hein, qui est... Truc intéressant, on voit qu'on a glissé un peu plus socialiste que le point de départ, et un peu plus libéral. Alors ça, je pense que c'est juste la libéralisation du cannabis. Hein. C'est libéral dans le sens anglo-saxon du terme. Hein. C'est ça, c'est libertarien. Quoi. C'est libertarien, voilà, plutôt. Ouais, puisque en face, c'est conservateur, hein, le volet d'en face. Voilà, donc on glisse doucement vers une société socialiste cool. Voilà. Et financièrement, on en est où là? Déficit 39 milliards hein, quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le PIB, bah oui, c'est notre fuite des entreprises là qui est en train de se résoudre. Mais d'ailleurs, on en est où de cette crise? Exode. Ouais, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Oui, il va falloir qu'on attire de nouveau les entreprises. On a juste fait le programme spatial pour l'instant, il va falloir. Là, je crois que ça va se stabiliser. Parce qu'en fait, oui, c'était ça qui l'a augmenté de 18%, donc on était là, et pof, 18. Donc si on veut baisser... Il va falloir attirer les entreprises, subventionner des start-up, par exemple. Il y a des politiques qui permettent ça. Hein. Et qu'est-ce qu'ils proposent alors, sur l'économie. Méluche. Pour le plein emploi, qu'est-ce qu'il dit? Créer et partager. Créer 3,5 millions d'emplois par la réduction du temps de travail, la transition énergétique, l'agriculture paysanne, l'économie de la mer, la fonction publique et les contrats jeunes. Tout un programme, investir 100 milliards d'euros pour relancer l'activité dans des grands projets d'intérêt national, donc ça on a commencé avec le programme spatial, hein. Augmenter le SMIC mensuel à 1326 euros et revaloriser les salaires des fonctionnaires gelés depuis un moment. Refus des traités internationaux de libre-échange, taxes kilométriques et carboniques, ça on doit pouvoir le faire aussi, des mesures protectionnistes d'urgence pour sauver les industries stratégiques, interdiction des produits provenant du travail des enfants, interdiction des licenciements boursiers. Alors, créons des emplois, subventionnons. Alors, les petits producteurs d'énergie, là, on a. Ça peut être pas mal. Ouais. Ça va, oui. Ça va baisser le CO2, améliorer l'environnement. Et est-ce que ça améliore l'efficacité énergétique? Est-ce que ça va créer des emplois au parallèle? On verra. Oui, je pense. Normalement. C'est dommage, je crois que c'est dommage, il faudrait le rajouter dans la simulation, ça crée des emplois. Hein, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous, ce qu'on voulait, c'était relancer les... Relancer les petites entreprises dans l'économie. Donc, Business Startup Campaign, donc subventionner les startups. Pour une fois, on va faire une loi qui fait plaisir aux capitalistes. Ben, on en a besoin en ce moment, puisque ils s'échappent. Les entreprises s'échappent. Oui, on n'a pas trop le choix. Alors, sur la subvention à la recherche robotique. Ça favorise pas mal l'emploi, hein. Ça peut coûter jusqu'à 7 milliards. Le problème, c'est que ça va détruire des emplois, mais on va pouvoir les récupérer peut-être par ailleurs. En tout cas, ça va... Bah oui, c'est-à-dire que ça crée des emplois, mais à terme, ça en détruit une partie, puisque il y a deux effets, quoi. À court terme et à long terme. Exactement. À court terme, ça en crée, mais à long terme, ça en... Ça, on le verra. Je ne sais pas ce que dit Mélenchon là-dessus, mais dans le programme de Hamon, on le verra plus tard, il y a une taxe sur les robots aussi pour aller en parallèle. Donc la subvention, je la mets au max chez Mélenchon? Bah, je pense que c'est une industrie d'avenir, il faut qu'on soit positionné dessus et que les entreprises reviennent. Hein. On n'est pas contre la technologie, au contraire. Mais il faut qu'elle soit au service de l'homme. Quoi. Voilà, le PIB réaugmente, ça c'est bien. Liberté de la presse. Alors, il faut se méfier parce que des fois c'est un peu mal traduit. Alors, il y a des demandes pour une loi appuyant la possibilité de stocker des données sur les citoyens à leur insu. Ça, c'est pas bien.
Cela comprend les enregistrements détenus par les cabinets médicaux privés, les compagnies d'assurance, les agences de recouvrement de créances et le gouvernement. Alors ça, c'est là, là, si je me souviens bien, Mélenchon, il est pour la Alors, protection des données. exactement, il C'est y la a fin du tout un pouvoir. volet sur son programme que je vais vous partager tout de suite. Donc, pour des nouveaux droits et libertés numériques. Donc, supprimer la loi Hadopi, garantir la couverture Internet à haut débit, interdire les fichages généralisés, donc là on est bien là-dessus, hein. Protéger les données personnelles. Ouais, donc je fais passer la loi. Enfin, je vais Non, soumettre la loi. alors, il est essentiel La que loi cette sur loi les soit libertés. adoptée pour une séparation des pouvoirs, rien. Citoyen respectueux des lois ne doit pas être espionné ou surveillé par les sociétés multinationales, etc. Ah, c'est pour Effectivement, ça. c'est ça. C'est ça. Donc on voit que le PIB augmente, la santé aussi, donc par contre le chômage est très élevé, hein. Et on a un déficit qui a explosé. Mais là, ça commence à. Mais comme les entreprises reviennent, ça va aller mieux. Ça va aller Mais mieux. là, pour l'instant, effectivement, on a un déficit de 45 milliards par trimestre. Ouais, bon, on Donc on va. n'est pas loin des 200 milliards. Là, on a quand même. Ça nous a fait très mal, hein, cette fuite des entreprises. Ouais. On aurait pu la juguler en amont. Justement, pardon. notamment en faisant des politiques, voilà, de subventions aux petites entreprises, par exemple, hein, Voilà, ouais. parce que c'est bien les petites entreprises qui embauchent le plus. Voilà, déjà le PIB, là, on va lui mettre un bon coup, ça va être pas mal. Travailleurs indépendants, ouais. Les syndicalistes sont moins contents, mais les capitalistes sont contents. Les travailleurs indépendants aussi. Oui. Continuons dans ces politiques proactives. Hein. Ah, subvention technologique, puisqu'on en parlait. Est-ce qu'il. Est-ce qu'il en parle? Alors, soutenir l'innovation, oui. Encourager la création de lieux collectifs, de Oui. création numérique, des Fab Labs. Favoriser la création française dans le domaine des jeux vidéo. Donc, je pense que. Je crois qu'il y a un Il y truc a un aussi un peu. truc sur les jeunes entrepreneurs. Hein, pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Voilà, bon. Je pense que la subvention techno est peut-être plus intéressante. Oui, c'est plus dans l'esprit, je pense. Ça va coûter encore des sous, hein, 6 milliards d'euros, Oui, mais à terme, si mais ça on fait revenir les améliore le PIB, la entreprises. technologie, la productivité, Ouais, ouais. et on fait baisser le chômage, ce qui À nous intéresse. terme, ça va. Déjà, ouais, l'économie non Voilà. compétitive commence un petit peu à baisser puisque. Bah, puisque l'automatisation Ouais, la augmente productivité avec la augmente. productivité. Hein. C'est ça. La productivité augmente, donc on va avoir. Enfin, ça devrait mieux se passer à long terme. Donc, ah, le PIB chute parce que quoi? Ah, voilà, il y a un problème avec les Alors, robots, on a justement. plein de trucs. Bon, baisse des cotes de crédit. Ouais, Ça, c'est notre endettement. je crois que la mienne. Bon, ensuite, on a Jérôme Robert qui est pas content. Donc, on va le virer. Ouais. Et ça, c'est quoi? C'est les robots. Il y a trop d'automatisation, donc ça fait grimper le chômage Ah, et ça purée. détruit tous les emplois bassement qualifiés. Ouais. Donc là, si on voulait calmer le jeu, on ferait un revenu de base ou mieux un salaire à vie un peu ambitieux pour que tout le monde ait suffisamment de quoi vivre et que les robots produisent la richesse et qu'on redistribue la richesse. Malheureusement, dans le jeu, on ne peut pas faire ça. Ouais. La question c'est comment est-ce qu'on va régler ça sans casser ce qu'on vient de faire? Parce que là, il va falloir le passer juste en dessous du seuil vert. Ça va être un peu technique. Donc en gros, les travailleurs au chômage font sabotent les robots pour protester, quoi. Donc c'est dommage, hein. Si on pouvait partager la richesse plutôt que de la détruire, mais bon. Bah oui, le principe des robots, c'est travailler moins pour gagner plus, mais. Bah, il faut partager le capital productif. Alors, comment on va faire? Bon, les effets sont pas non plus catastrophiques, ça augmente un peu le crime. Ça fait baisser la productivité puisqu'on Oui. casse des outils de production, ça fait Ouais. baisser les salaires et ça Mais fait en soi, baisser les. c'est pas non plus. Au niveau de l'Exode, on en est où? Attends, on va regarder. Parce que. Là, bon, déjà, Ça, il on le stagne. stabilise, mais. Parce que ça s'est arrêté. Voilà. Au niveau de. Parce qu'on a atteint le nombre de tours, Oui, oui. ça commence à se stabiliser, donc ça va arrêter. C'était 8 tours, hein. Ça Oui. augmente pendant 8 tours. Oui, donc les chiffres entre parenthèses que vous avez sur le côté, c'est le nombre de c'est l'inertie hein, de la cause, apparemment. Ouais. Du coup, comment est-ce qu'on avance là, du coup? Bah, il va falloir soutenir à travers les aides sociales, je pense, hein, pour que les gens au chômage aient moins envie de péter des robots. Ouais, mais pour l'instant, de toutes les lois qu'on a en place, il n'y en a aucune qui va diminuer ça. Chômage.
Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas ce qu'il y a. Ce qui a fabriqué ce truc. C'est un événement en fait. Au moment où l'événement se produit, ça te met un pic. Donc oui, après, tu vois, ça se stabilise. Justement, mais qu'est-ce qu'il a causé en fait? Ah, bah c'est le fait qu'on ait un taux de chômage très élevé et une automatisation industrielle très élevée. Oui, oui, effectivement. Donc ça déclenche l'événement. Mais l'événement lui-même, il va se stabiliser ensuite. Bah, on peut essayer de jouer sur l'éducation par exemple. Même si ça va augmenter les coûts. Mélenchon, on n'a pas parlé de son volet éducation, peut-être jouer là-dessus. Même si elle est très bonne et qu'elle augmente. Alors, on avait la culture. Oui, par exemple, il propose de 1% du PIB pour la culture, c'est ça? Donc oui. Les subventions à l'art, on peut les monter, je pense. Mmh. Bon, tout ça, ça va augmenter les coûts, mais avec un peu de chance, ça va. Donc là, on va favoriser l'éducation. Alors, pour l'éducation, on a la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, la gratuité réelle, matériel scolaire, activité, cantine, transport, etc. Alors ça, on en a déjà mis une partie, puisqu'on avait fait la politique sur les cantines. Réduire le nombre d'élèves par classe, révision de la carte scolaire. Donc, faut mettre les écoles publiques à fond, quoi. Ouais, ok. Mais je vais attendre un tour. Oui, parce que t'as pas les sous encore. Alors, recrutement de 60 000 enseignants, abrogation de la loi Carle, qu'oblige les municipalités à financer l'enseignement privé. Rétablir la durée du bac professionnel à 4 ans, organiser un maillage complet du territoire pour augmenter le nombre d'établissements de formation professionnelle. Bon, déjà, la pollution, c'est fini. Ouais, par contre, le chômage augmente toujours, la santé augmente et le PIB augmente. Va falloir qu'on trouve un moyen soit de subventionner le chômage de masse. Bon, déjà, les écoles publiques, ça c'est fait. Ok, regarde le chômage, là, si on peut pas l'augmenter. Si tu veux augmenter le chômage? Bah, les allocations, oui. Oui, d'accord. Pour que les gens, ils puissent, malgré le fait qu'il y ait des robots, ils puissent quand même vivre, quoi. Ouais, mais ça monte... Ça diminue la pauvreté, hein. Oui, mais ça monte le chômage. Ah bah oui, forcément, parce qu'on file plus de sous. Enfin, forcément, mais du coup... Les gens restent plus longtemps au chômage, mais au moins, ils ont les sous pour... Parce qu'aujourd'hui, ils restent moins longtemps, mais à la fin, ils n'ont pas forcément un boulot. Hein. Puisqu'on est indemnisé que 2 ans maximum. Hein. Donc, si au-delà de 2 ans, ça devient compliqué. Si on n'a pas de revenu. Il faut trouver un moyen de donner un revenu à tout le monde aussi. Voilà, PIB augmente, le chômage baisse. Voilà. Ah, c'est comment ? L'obésité, c'est résolu. Et les... Alors, est-ce qu'on fait des livraisons par drone ? Est-ce qu'on autorise Amazon à faire ça ? À mon avis, c'est pas tellement l'esprit. Faut voir. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est sur le numérique et l'innovation. En soi, c'est une innovation. C'est un peu comme le problème, c'est. C'est un peu comme Uber ou Airbnb, c'est que ça détruit des emplois, mais en même temps, ça permet d'améliorer un service. Alors, soutenir l'innovation, favoriser la création française, bon là, c'est pas un français, c'est Amazon, hein, c'est international. C'est plus sur l'économie, alors, qu'est-ce qu'il y aurait ? Culture, éducation, santé, immigration... Je sais pas si on trouvera un point qui traite spécifiquement de ça. Non, donc qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'il dit ? Si on autorise la livraison par drone, c'est un programme pilote. Hein. C'est juste d'un dépôt à l'autre, c'est pas encore jusque chez les particuliers. Et si on l'autorise pas, c'est parce que ça surcharge l'espace public avec les drones de la police, les drones militaires... puis effectivement ça peut générer des accidents, on peut l'interdire, en soi ça apporte pas quelque chose de fantastique. Hein. Bon, très bien, très bien.